J'ai l'habitude. Vous savez qu'en vrai, j'ai un mois et 22 jours pour finir le bateau. Parce qu'après, quand les mécaniques auront peut-être été corrigées, on sera mort. Bah, j'ai la console, j'ai pas de cheat. Du coup, ça marche, non? Allez, c'est parti pour aller se faire kicker. Parce qu'ils vont taper dans le chat, machin, j'ai pas envie d'écrire. Ils vont parler en vocal, j'ai muté le vocal, j'ai la flemme. Oh putain, il fait nuit. Oh, ils ont désactivé la console. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, j'aurais bien voulu voir la partie avec la pyramide. Et ouais, les gens. Il y a une partie sur Son of the Forest avec une pyramide géante. Elle doit faire au moins une quinzaine de cases de haut. Elle est énorme. Oh, j'ai été banni. Oh, quel dommage. Lui, il a vu Podcaram, il s'est dit, ah putain, merde, encore lui. Bienvenue. Pyramide de ouf, franchement trop bien faite. Bah, c'est facile après, vous allez me dire, parce qu'avec les angles de toiture, effectivement, c'est simple. Ce que j'ai bien aimé, c'est surtout l'entrée qui est un peu carré, entrée nickel, couloir, après pyramide et tout. Et quand je suis rentré dedans, c'est là où j'ai été très, très, très déçu. Il y avait tous les poteaux, tous les carrés qui font la pyramide. J'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Mais c'est normal parce que sur les coins il peut pas enlever les poteaux, ce qui est logique vu que sous les diagonales tu peux pas enlever les poteaux, sauf avec la technique que j'ai trouvée là. Après il aurait pu enlever le reste, avec des poutres en treillis et tout, mais faut se faire chier de fou. Il faut sauter sur chaque carré, sur chaque étage de carré, c'est. Oh, gars, ils vont chier quoi. Oh putain, ça pue la partie qui vient de se lancer ça. Ok, le mec il veut pas de cheater mais il a pas désactivé la console. Ça commence mal là. Une partie sans cheater. Bonsoir. Tu m'as pas vu partir. Voilà, tu m'as pas vu partir. Voilà, je me suis tiré. Allez, bye bye, je me casse. Oh, c'est nul, il n'y a pas de construction ici, elle est nulle ta partie, me bannis pas, ça sert à rien, je suis parti déjà. Le temps que t'ailles sur joueur, bannir, je suis déjà parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Epic stuff, shield, ouais, youhou. Shield, il n'y a pas un E. Il manque un L aussi, mais... Hein? Ouais, super, on s'emmerde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce donc? Vas-y, dis-moi que t'as fait de la construction, dis-moi que tu vas pas me bannir, dis-moi que t'es là pour montrer ce que t'as fait et que t'es pas loin et qu'on en parle plus. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Dis-moi que t'as mis un marqueur, vas-y. Fais-le, tu peux le faire. Tu mets un petit cœur et j'arrive. Oh, il y a l'hélico à passer et tout. Voilà, oh. Oh, regarde, tu passes, hop, tu passes, hop, tu passes, hop, tu le passes, mais ça se passe pas, mais ça se passe tout seul. Oh! Oh! Oh, ça a l'air intéressant. Oh là là. Ok. Ok.
hop, 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 et le super jump parce qu'on est dans une montagne avec ses casse-couilles. Mais 10 milliards, on s'en bat les couilles. Oh là là, il y a un mort. Il est mort? Help, j'arrive. Je peux pas courir, sinon je vais speed. Voilà, je t'ai aidé. C'est quoi? Ils ont l'air stylés, ces pièges là. Ouah, sa mère! Oh, c'est les mêmes pièges qu'il y a dans Half-Life 2. Hein. Sauf qu'ils sont faits avec des grosses lames. Oh, c'est génial ce truc. Oh, sa mère! Elle est trop conne. Ah, ça lui fait rien, elle. Oh, c'est stylé, gars. J'adore ces pièges, ils sont trop cool. C'est ça que Chucky me parlait, les pièges qui tournent. Oh, il y a plein de delta planes, c'est bon, il va rien dire si je speed du coup. Oh wow. Oh. C'est nous qui faisons ça custom ou c'est la chaise qui est comme ça de base? C'est marrant. C'est trop débat. Il y a quoi d'autre là dans ton truc là? C'est basique, hein, gars. Hein. Oh, stylé. Ces remparts, ils sont pas folichons. Tu sais, les remparts en bois, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est très carré chez toi, dis donc. Ça vole pas, c'est carré, c'est bas de plafond, il y a plein de poteaux. Ça, c'est plutôt original comme style de chemin, mais. Ouais, je me sens un peu claustro là. Hein. Et puis, ah, toi aussi tu fais des télés. Et puis, bah, comment on monte? Parce que les trucs qui sont bas de plafond comme ça, qui ont des escaliers d'habitude, bah, c'est compliqué, ça bute. Oh là là, what the fuck. Ok, y a pas d'escalier pour aller au-dessus, quoi. Tu démerdes, quoi. Là, t'as un escalier, il a enlevé la poutre parce que oui, ça gêne. Hein. Et du coup, il a mis une corde. Ah, il a mis un truc de saut. Ah oui, parce que monsieur fait des maisons bas de plafond. Donc, forcément, quand dès que tu mets un escalier, t'as la poutre qui est là. Donc, t'es niqué. Soit tu mets pas de plancher sur un rectangle, soit tu mets de poutre et t'es niqué. Pour passer, tu dois te baisser, quoi. Super. Bon bah j'aime bien l'agencement et tout, bah y a un peu trop de poteaux, mais après ça va quoi. Sinon bah c'est pas, voilà, ça casse pas les briques. Hein. Plus c'est sur le sol, carré. Après pour faire des arrondis là-dessus, je comprends que c'est la misère. Mais en fin de compte. Si on veut faire une maison totalement arrondie, certes, il nous faut un lac, mais si on veut une maison avec que quelques arrondis, il y a peut-être moyen de trouver une surface assez plate où, sur ta maison, tu pourras caler 2-3 arrondis pour faire des balcons, quoi, au même niveau. Et bon, c'est que dans une montagne, là, t'aurais pu faire un truc accroché, par contre. Ça, c'était possible. Ouais, ça, c'était possible. Peut-être un peu compliqué sur celle-là, parce que j'ai déjà essayé sur un truc comme ça. À un moment, c'est chiant, mais... Il y a moyen, je pense. Regarde, on va savoir ça tout de suite. Il y a moyen. Il y a largement moyen. Faut partir du bas, bien sûr, et arriver à tomber bien ici pour tomber comme ça. Il y a largement moyen de construire un truc. Putain, mais ça me rappelle une partie, ça. T'étais un copiteur, toi. Hein, t'as piqué la partie de quelqu'un là, l'emplacement, tout, la montée qui vient ici. Après tu vas faire quoi? Tu vas construire des choses ici aussi? Hein? Bon déjà t'as pas construit près de la rivière, c'est bien, t'as construit un chouï plus haut. Mais il est terrible ce spot en vrai. Faut
Bon, bah moi j'aime bien ta partie là. Il y a un lit pour sauvegarder. Parce que je sens que tu as un potentiel et il faudrait que je garde cette partie quelque part, tu vois, c'est important. C'est important. Comme ça, j'ai pas à me retaper le chargement en même temps. Et puis je verrai direct si la partie, tu vois. Oh ouais, ici je connais, c'est un bon mec, vous allez voir, je vais montrer des trucs de fou. C'est direct, tu vois. C'est quoi ça, débutant en France? Waouh. Ça donne pas envie d'y aller. Ah ouais, il y a des Philippins sur le jeu, un truc de fou. C'est quoi Hugues? Truc indien là? C'est quoi ça? Fais voir ta base là. Ça mérite une sauvegarde? Ou ça mérite pas une sauvegarde? C'est du bien de se détendre un peu, parce que putain le bateau là. Oh la prise de tête quoi. Là j'en suis au moment où je dois faire au moins un carré volant pour faire les deux bouts de toiture qui manquent et voir ce que ça donne pour l'angle. Mais putain. Même ça, c'est saoulant alors que c'est facile quoi. Alors que visiter des parties là, c'est. T'as pas besoin de réfléchir, putain, t'arrives, tu. Y a rien, bah je me casse, tu vois. Y a un truc de fou. Ah oh bah vas-y, on va jeter un œil. Y a pas de réflexion. Pire, tu réfléchis à comment elle a fait ci ou ça, mais ils utilisent tellement des mécaniques basiques que tu comprends vite, quoi. Tu sais, si j'arrive à comprendre une mécanique d'arrondi rien qu'en voyant un screenshot, dès que je le vois en vrai, je savais direct comment ils avaient fait le truc. T'es loin, t'es pas loin, ça pue que t'es loin, ça. C'est vrai que je peux faire apparaître la roue maintenant. Non? Spawn item 630. Putain. J'arrive, je suis pas un cheater, j'ai trouvé une roue, j'ai de la chance, franchement. Franchement, je suis chanceux, hein. Je connais les spots de camp de cannibales, acculé. Et du coup, j'ai ramassé une roue, putain, elle est où? Où ma roue? Eh ouais, t'as vu? C'est fou, putain, y a pas un chemin là? Si, y a un chemin là, regarde. Attends, là, là, y a un chemin là. J'arrive! Les amis, j'arrive! Je suis en roue, je suis pas un cheater! Aïe, putain! Putain, il a sauté vachement haut là! Ah, la route, elle mène pas où vous êtes. Attends, j'arrive, je prends un cut map. Ah, bah ouais, t'arrives, tout ça, c'est quoi, t'es un cheater et tout. Bah non, regarde, j'ai trouvé une roue. Regarde, je suis en roue. Et ouais, je suis rapide, hein, mais je suis en roue. Wouh! Salut! Salut, bot! Oh putain, t'es un farmeur de bûches, toi? Ah non, t'es un cheater. Ah oui, j'ai eu peur. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? De la merde, je suppose, parce que bon, vu que c'est carré et que c'est bas et que c'est carré. Voilà quoi. Ouais, bah. 1, 2, 3, 4, 5 cases. Ah, c'est dommage. C'est dommage. T'aurais fait une case de moins. Bon, en vrai, tu montes tes 4 cases. Et la cinquième en dernier, tu sais, ça t'enlève, hein, t'enlèves tout, hein, tu fais les poteaux là, après tu montes, et puis tac, t'accroches tout, hop, pour rentrer, tu fais tout sauter, paf, plateforme volante, et puis c'est bon, hein, bah ouais, c'est bon. Il y a moyen de faire une plateforme volante, hein, c'est parti, hein, faut être motivé. Hein. Parce que c'est un peu long, mais bon, après les papes seraient pas très belles. Hein. En plus, t'as un terrain quasi plat là, non? Non, c'est. Oh putain. Oh, et en vrai. Et en plus, quand on met des bûches au sol, ça fait un peu de terraforming, tout ça, machin. Du coup, ça va.
un peu mettre le sol droit, il y a moyen en fait sur une zone même comme ça de faire un truc arrondi, mec. Hein. Ah ouais, hein. Fais voir, je peux emprunter une bûche pour tester un truc. J'emprunte une bûche. Regarde, t'arrives, tu te cales un petit arrondi comme ça là. Tu vois, tranquillou. Là, il veut pas parce que tu sais, les casse-couilles avec ses collisions, il fait y a une collision. Et là tu fais ça et puis tu l'encules. Mais bon, c'est compliqué, il a déjà commencé le truc, mais. Ouais ouais, il y a moyen de faire du rond là, gars. Ah ouais ouais, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Il est chelou ton bot, hein. Attends, viens, je te fais un petit truc là. Ouais, t'as pris toute la surface plate, t'es relou toi. Ouais, je te fais un petit truc arrondi là. Ouais, vite fait. Ah, il me casse les couilles avec ses flèches. Ouais, faut faire un hop, hop. Mais du coup, après, tu vois, t'es niqué, faut enlever la bûche. Donc là, il faut utiliser la technique que j'ai trouvée l'autre fois. C'est ça? Genre, je veux qu'elle soit. Ici. Donc il faut que je la pose. Bien avant. Donc il faudrait que je la pose, je sais pas, ici. Et là, t'arrives comme ça, et paf! Non, mais c'est pas celle-là que je voulais enlever. Bon, là, c'est mal mis, mais tu vois, c'est un exemple vite fait. Ah, mais du coup, c'est tordu. Ah ouais, à cause du sol pourri, c'est compliqué, putain. Mais sur son sol, à lui, il a l'air plat, c'est chelou. C'est parce que c'est la construction qui fait ça. Bon, vas-y, allez, je suis gentil, avant de partir, je vais te faire un truc. Un seul truc. Un petit cadeau. Regarde bien. Si tu me bannis, tu vas le regretter. Hein. Regarde bien. Tu bouges pas. Hein. Regarde bien. Chut. Attends, patiente. Regarde, j'ai pas de hache. Regarde, j'ai pas la hache, mais t'inquiète. Patiente. Tiens, je vais sortir la hache comme ça. Tu vas pas comprendre. Hop. Ah, tu vas voir, c'est magique. Patiente, hein. C'est plus long que sur The Forest, donc faut être beaucoup plus patient, les mecs. Hein. Donc, s'il vous plaît. On patiente, regarde, je te montre un truc. Il y a la destruction sur ta partie, sinon je peux pas te montrer un truc. Ah, t'es intelligent, t'as pas mis la destruction en off, c'est bien. Voilà, bah tant pis, t'apprendras pas comment on fait des trucs volants. Allez, bye. Je prends pas les couilles, hein. Quand tu iras sur des parties que tu verras des trucs volants, faut pas t'étonner, hein. Tu ne connaîtras pas le secret. Tu ne sauras pas qu'on peut faire des trucs de fou sur ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi? Vous avez pas des maps de build? Putain, on s'emmerde chez vous là. Adventure Time, mais non, mais c'est Build Time qu'il faut écrire. T'as pas compris le jeu, lui. Il joue en survie, quoi. Bon, bah tant pis, y'a rien. Vas-y, au pif, celui-là. On se rappelle les Allemands, hein. Ils font des trucs de fou sur The Forest, donc pourquoi pas sur Sounds of the Forest. Ah, vas-y, c'est parti. Vas-y, montre. Je sais que tu peux faire des trucs de fou. Nous on peut, pourquoi pas toi? J'ai en train de faire construire un bateau, mec. Un bateau. Avec une coque qui tourne, qui fait une pointe, gars. Arrêtez de faire des maisons carrées. Je vous en prie. C'est un supplice. C'est franchement un supplice de voir des maisons carrées, quoi. Vas-y, on passe, on s'emmerde. Ah, il n'y a pas de construction dans le coin, ok. Alors, shit stick. Ok, c'est bon.
On sait jamais. Hein. Voilà, alors. Ok. C'est spawn item 626. C'est parti, mon gars! Je ne suis pas un cheater. J'arrive en deltaplane, j'ai été fouillé dans la montagne et j'ai trouvé le deltaplane. T'as vu? Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en vrai, ce n'est pas la chance. Parce que je connais bien la map, j'ai joué 1000 heures en survie, tu vois, je connais bien le jeu. Donc j'ai trouvé le deltaplane vite fait parce que c'est, je connais bien. Tu vois. Voilà, je suis pas un cheater. T'as l'impression que je vole, mais je suis pas un cheater. Je suis un deltaplane. C'est cool. On s'emmerde un peu, mais... mais bon, suffit d'accélérer, hop. Voilà, tiens, il est beau ce lac. Tiens, je verrais bien une con... Putain, c'est mon lac. Je verrais bien une construction ici. Bah ouais, il y en a déjà 50 000. Oh putain, c'est quoi cette piste d'atterrissage pour avion? C'est bien dégagé ici, hein. Ah bah y'a un caddie de golf. Ah bah y'a... Ah c'est là que l'avion est crashé. Ah ouais, je pensais que c'était... Je sais plus. Je sais pas, je connais pas la map. Après je connaissais le jeu quoi. Oh là, y'a... What the fuck. Y'a des gens là qui bossent dur là. Ah ouais, hein, ça bosse dur ici putain. Oh. Ah bah ouais. Quel feignasse le mec. Il s'est invoqué plein de bots comme ça, il en profite. Mais prends la console. Utilise des bûches. Le gars qui est con, lui, pourquoi il fait plein de bots, ça sert à rien. Mais c'est stupide. Pourquoi il fait pas un le gars qui est con. Il a utilisé la console pour faire plein de bots qui lui ramènent des bûches. Je comprends pas le concept là. C'est pareil, tu voulais tout péter, t'as des items, tu prends des bombes et tu pètes tout. C'est quoi son délire à lui? Il est chelou. J'avoue, il semble... Le pauvre. Il a pas d'amis pour jouer au jeu, alors il s'est créé des amis dans le jeu. Putain, c'est triste. Merde. C'est bon, tous ces... Ils sont combien? 2, 3, 4, 5? Je comprends pas le concept, mais bon. Y a pas de construction du coup. C'est ouf mec. Je sais pas à quoi ça sert ce qu'il a fait, mais bon. Ça m'a bien fait rire. Ah bah on a Cédric E qui s'est lancé sur The Forest, c'est bien ça. Sous un autre pseudo, mais bon, c'est pas le pseudo qui compte. Oh ouais, faut passer. Ah, y'a des gens. Oh, y'a pas la console d'activer. Putain, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour moi, hein. Pour eux, oui, ça sert à éviter de se faire emmerder. Mais pour moi, ça sert à rien. Parce que si je dois aller à 500 000 bornes pour visiter une maison toute carrée et moche, bah ça sert à rien. Dommage. Ah, ils sont juste à côté? Non, c'est un autre. Il est au fond là. Ouais, au fond du trou du cul de la map. Ah oh là là, et puis ça se peut qu'ils jouent en survie, tu vas là-bas, t'arrives comme un con à pied, hop, bah y a pas de construction, tu rentres chez toi.
Janine. Vas-y, Janine. Montre-nous ce que t'as fait, Janine. Ah ouais, super photo de profil, Janine. Très sexy. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Je t'ai mis une musique pour te speeder un peu, là. Tu vois. Allez, hop. Ah, ok. C'est pour ça que ça bloquait. Tant pis, bah, Janine. Merci. Merci à toi. Ah, les Italiens, ils font quoi, les Italiens? Sur le jeu. J'en voyais rarement sur The Forest, mais il y en a plus sur ce jeu-là, je sais pas pourquoi. Ok, t'as pas lancé? Il a pas lancé, ah c'est dommage. Oh, y'a rien qui donne envie là, putain. Y'a pas, je sais pas, château, bunker, labyrinthe, Walt Disney, parc d'attraction, non, y'a rien quoi. C'est quoi ça? Vas-y, on va aller là où il y a des gens. Ou en personnalisé. Personnalisé. C'est con, tu as été personnalisé. Et pourtant. Il n'y a pas de monde aussi dessus. Un serveur où il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui construisent en même temps. Hein. Ou c'est que chez nous que ça fait ça. Ah ouais, Adventure Time. Super. Oh putain, il y a du monde. Ça c'est une partie, j'aurais bien voulu avoir sur The Forest, tu vois. 6 ou 7 mecs en train de survivre qui débutent le jeu, et moi qui arrive en cheater discret en train de lancer des cailloux là. Putain, je suis déçu, ça a marché qu'une fois. Ils devaient vraiment être cons les mecs, pour pas avoir capté que c'était un joueur, putain. Oh là là, ils sont un peu partout là. Oh putain, y a pas de console, c'est chier. Ils font de la survie. Ouais, c'est clair et net, ils font de la survie en fait. J'ai pas à réfléchir, je vais pas me faire chier, donc construire une maison de merde en survie du coup. Espèce de truc à la con qui sert à rien. Bah tant pis, on va retourner sur le bateau, je crois. Ouais, bah bof. En place toi. Bon. Hop. Merde. Oups. Faut geler le putain de lac là. Ça c'est relou tout le temps. C'est l'hiver en fait. Je comprends pas pourquoi je dois refaire ça. C'est un truc, ça me rend ouf. Regarde, neige, youpi. Ah
Vas-y, vas-y, vas-y. Même si je sauvegarde avec la neige et tout, il s'en bat les couilles. Ah ouais, j'ai été trop vite. Et là, je sais que je peux pas le démonter le truc. Hein. T'es au courant? Merci.